Chers festivaliers, bonjour et bienvenue après 2 ans de grand silence sur le site de Prades-Grossal pour ce festival post-guitare Sud de France. Sachez que cette année, un vilain virus est arrivé et nous a contrariés pour l'agencement de ce festival. Mais grâce à nos amis des studios H2G, nous allons clairement vous expliquer le dispositif que vous allez pouvoir avoir sur l'ensemble du festival. Pour commencer, sachez que quand vous allez arriver sur le festival cette année, il n'y aura pas de navette LIO, mais des parkings pour les voitures, les motos et les vélos seront à disposition au niveau du cimetière. Nous vous conseillons, chers festivaliers, de privilégier le moyen de transport le plus écologique, c'est-à-dire de venir à pied sur le site de Prades-Grossal puisque vous êtes à une vingtaine de minutes du centre-ville d'Albi. Une fois arrivé sur le site du festival post-guitare Sud de France à Prades-Grossal, vous avez envie de faire la fête, ce qui est tout à fait normal depuis 2 ans d'absence. Et pour cela, vous allez tout d'abord chercher l'entrée du festival, l'entrée générale. Cette année, suite à la crise sanitaire, il n'y aura qu'une seule entrée qui est située juste ici, à côté du cimetière. À l'approche de l'entrée du festival post-guitare, nous vous invitons à préparer votre passe sanitaire. Qu'est-ce que c'est ce passe sanitaire? Pas d'inquiétude, on va vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement 2 options. La première, c'est un cycle vaccinal complet, c'est-à-dire 2 injections de vaccin AstraZeneca, Moderna ou Pfizer, où la 2e injection doit être effectuée 14 jours avant votre arrivée sur le site du festival. Si vous avez bénéficié du vaccin Johnson & Johnson, c'est qu'une seule dose et qu'elle doit être effectuée 4 semaines avant votre arrivée sur le site du festival post-guitare. Mais si vous n'êtes pas vacciné, pas d'inquiétude, chers festivaliers, on va pouvoir faire la fête. C'est pas compliqué, il va falloir présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Attention bien, moins de 48 heures, c'est très important, pour pouvoir vous permettre de rentrer sur le site du festival post-guitare. Sachez que ce pass sanitaire est totalement obligatoire pour vous tous et vous toutes à partir de l'âge de 11 ans. Et pour éviter une file d'attente démesurée à l'entrée et rentrer le plus vite possible sur le site du festival, nous vous invitons à l'approche de l'entrée générale de sortir votre billet, votre QR code du pass sanitaire, mais également votre pièce d'identité. Et une fois rentré à l'intérieur, eh bien c'est pas compliqué, on fait la fête et cette fois-ci sans masque. Chers festivaliers, nous voici à l'intérieur du festival post-guitare Sud de France et vous avez envie de faire la fête, on est à quelques heures du concert, c'est normal. Mais avant cela, vous allez vouloir vous restaurer et vous désaltérer au niveau des restaurants et des bars du festival post-guitare Sud de France. Mais pour cela, il faut que vous déteniez votre carte cashless. Vous pouvez la retirer directement sur le site, mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez la retirer également, cette carte, au niveau de l'Office du tourisme en centre-ville d'Albi. Cette carte est totalement gratuite et elle vous permettra de payer l'ensemble de vos consommations sur l'ensemble du site auprès des restaurants et des bars du festival post-guitare Sud de France. À cause de la crise sanitaire, l'équipe du festival a totalement réinventé le lieu. Vous allez quand même retrouver aussi un point et un stand de prévention. Vous allez pouvoir retirer des protections pour les oreilles, mais également d'autres styles de protection de façon générale. Vous voyez que le carré VIP a été réaménagé, que la grande scène est située devant la grande salle de Prades-Grossal. Une zone de gradin a toujours été maintenue pour regarder et admirer vos artistes de façon assise. Et grâce au pass sanitaire, chers festivaliers, on va pouvoir faire la fête debout et sans masque cette année. Eh bien, nous sommes tellement fiers de vous retrouver. Sachez également que suite à la crise sanitaire, le festival post-guitare s'est totalement réinventé et s'adapte au fur et à mesure des jours que nous traversons. La soirée du dimanche 11 juillet est annulée. Mais pas de panique, chers festivaliers. Les artistes prévus, vous allez les retrouver sur d'autres soirées. Le mardi 13, c'est Berry One qui est programmé en plus de 47 terres et de soprano. Et le vendredi 16, ça sera le groupe Trio qui sera programmé en plus de Pommes et de Grand Corps Malade. Nous vous souhaitons un bon festival. Hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous.